papa. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Pouette, pouette, pouette. Bad bali, babouette, pouette, pouette. Ça fait juste 20 minutes que la musique elle tourne. La 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 la. On la connaît pas du tout par cœur. Pouette. Pouette, 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 pouette. Ah, c'est bon, le timer est terminé. Faisons la transition. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est la grosse transition, on la connaît tous. Ah! Ouf, c'était pas ouf. J'ai pas aimé. C'est pas la meilleure transition du monde. Je suis un peu... Ouais, ouais, bon. Non, j'ai pas aimé. Bonjour tout le monde. On va commencer avec ça, c'est plutôt pas mal. Ici, Akibon pour Ivas en studio. On repart sur... Cadence of Hyrule, tout simplement. Sauf que cette fois-ci, nous allons faire le scénario l'Ode à Octavo. Et celui-là, je le connais pas. Donc on va voir ce que ça donne du putain. Est-ce que tout va bien? Des angoisses, des questions, des conseils? Tout va bien? On lance ça dans toute la sérénité que l'on peut ou pas? Oui, non, allô, il y a quelqu'un? Bonsoir. Oui. Bon, bah si, il y a un oui, on y va. C'est parti, pouette. J'ai pas nettoyé mes lunettes, elles sont devenues sales au bout de 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Every world has its evils. And when the powers that be refuse to fight... C'est un peu la même vidéo que le scénario de base. Hein. Someone must rise to the occasion to do what must be done. Sauf que là, ben, le méchant, il est bien méchant. On aime quand le méchant, il est bien méchant. Alors, c'est parti. Mon fils, ramène-moi petit sacripan. Oula. Pourquoi on a volé une vieille? Elle a rien fait, la vieille. Bon, soit. De toute façon, ça ne changera rien. Personne ne peut s'opposer à son destin. Enfin, je n'ai plus à supporter les élucubérations de cette vieille chouette. À présent, il me faut trouver un virtuose capable de vaincre Ganon. Rire. Ce lutteur m'aidera à me défendre pendant que je cherche. Ok. Donc, on repart, et j'ai un lutte d'or. Comment on fait? Yes! Ça a bien fonctionné. Mais apparemment, c'est aussi mon arme. Bon, attends. Déjà, on sauvegarde. Et c'est reparti. Bon, il tape comment, le lutte? Ok. Il fait les zones adjacentes... Comment je vais faire pour le tuer, lui? Ok. Je vais en chier. Ok. La vieille chouette, c'est ma mère. Bisous, maman. Ok. C'était en gratuit. Moi, je vais pas dire ça. Déjà parce que je suis quasi sûr qu'elle ne regarde pas, et de deux parce que ben c'est pas une vieille chouette ma maman, c'est ma maman. Allez, on est parti. Oh non, c'est reparti. C'était quoi déjà les... Voilà. Oh mais il y a d'autres phrases. Ok. Donc en fait c'est une méchante mais pas une méchante. Bon. J'ai du mal. J'ai du mal à m'y faire aux cases adjacentes. Hein. Bon, on va voir. Mince, je voulais pas faire ça.
La clé. Et la carte, elle est comment, là? Elle est en mode carte ou... Ouais, ok. Parce que la carte aussi est différente par rapport à celle qu'on a fait. Bon, c'est pas... Fait, je sais pas. On a déjà le monsieur qui chante. C'est pas évident. Et mince. J'ai du mal. C'est surtout que j'ai l'impression qu'on va devoir refaire toute l'aventure, en fait. De A à Z. Mais avec Octavo. Et son luth. Comment je vais faire pour toucher les héros qui devraient être touchés au corps à corps? Ah, je voudrais bien ça, moi. Donne-le-moi. Tibidibidi. Calmos, calmos. Mais je sais pas où je vais en plus. Est-ce que le but c'est d'aller chercher les boss? Je ne comprends pas, la la la. J'arrive pas à le tuer. Et comment je suis censé le tuer, lui? Là. Parce qu'il va m'envoyer une cartouche avec son caillou, là, et voilà. Ah, ok, c'est bon. Bon, je comprends pas tout. Salut, Nino! Comment va? Tu viens de rater Navi, c'est dommage. Je comprends pas comment mon armée tape, là, 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 là. Un dégât en plus, je dis pas non. Mais en fait, je vais mourir, là. Si je le coffre, je meurs. Tu fais toujours la voix. J'ai essayé. C'est pas évident, mais... Mais je vais jamais pouvoir le tuer, lui. Ben là, voilà, je suis déjà bloqué. Parce que si j'utilise une bombe... Mais comment j'ai fait, lui, pour le tuer? Et le caillou, j'en fais quoi? Je reviens? Ouais, super. Mais même si je reviens, je peux pas monter... derrière le coffre. Qu'est-ce que j'ai loupé? Genre là, je peux pas passer derrière, je fais comment? Bon. Eh bien, j'ai envie de dire tant pis pour maintenant, hein, on verra plus tard. Mais ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai récupéré un peu de vie. On va pouvoir sauvegarder. Bonne nouvelle. Oui, oui, non, c'est Octavo, merci. Ouïe, aïe, aïe. Ah, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais lui, il est bloqué ou... Ah, c'est bon. Ouais, je comprends pas encore les subtilités, mais ça va venir.
Je vais y arriver. Je crois en moi. Cette musique est toujours aussi cool. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pas... Ils auraient pu... faire une deuxième version de la musique. Oh là là. Vu qu'on joue Octavo. Je pense qu'ils auraient pu au moins faire l'effort. Oh, mais il y avait du poison, punaise. Par contre, la carte, c'est devenu autre chose, hein. J'ai le marais ici. Bon. Bon, ça là, c'est ma préférée, par contre. J'aime cette musique. Bah alors, j'ai l'impression que le Oud, là, ou le lutte magique, c'est fort. Mais... pas encore tout compris avec. Pour tuer les ennemis autour de moi, c'est fort, mais... faut juste que je me fasse à l'idée que j'ai plus deux de... de... comment ça s'appelle ? Mais mince ! Comment je suis mort ? Je sais même pas. Bon, allez, on prend des cœurs. Les armes sont perçantes, ça, j'ai pas besoin, j'ai déjà... On va prendre une pelle et une torche. De toute façon... Mince, je vais pas prendre ça, c'est pas grave. De toute façon, on sait que... Oui, on sait le porte-là. Ouf. Je réfléchis en même temps, c'est pas évident. Là. De réfléchir. Il me dit qu'il y a un boss ici. Oh non, là il me dit pas. Bon, c'est pas grave. Merci de vous tuer entre vous, j'apprécie. Mince! Faut dire mince. Flûte, diantre, sapristi et le reste. Voilà. Je sais même pas si Octavo aura des objets ou des pouvoirs comme Zelda ou. Bon, comment je suis censé tuer ça? Ah, elle attaque un temps après que. D'accord, ok. Pouet. Ouais, mais là, comme j'étais dans l'eau, j'ai pas pu esquiver. Pouet. Ok. Enfin, je peux juste lui sauter dessus maintenant. Bon, c'est pas grave. Hop, petite bombe. Sacre bleu! Ouais, c'est particulier à jouer Octavo, mais c'est pas déplaisant non plus. Après, si c'est exactement la même. Si c'est exactement la même expérience que. Que le jeu de base, mais juste là en fait je peux jouer avec mon lutte. Bon, on risque d'avoir du background de comment il a, en fait c'est juste avant Cadence of Hyrule, ça, le scénario d'Octavo, c'est pour savoir comment il a récupéré les boss, tout ça. C'est bien, hein, mais si c'est la même chose, c'est aller au donjon A, faire ça, faire boum badaboum popouette, je sais pas. Je l'ai jamais fait celui-là. De DLC. J'ai fait que le jeu de base. Et encore, même quand j'ai refait le jeu de base, on a vu que j'avais pas toutes les nouvelles nuances qu'ils avaient placées après. Ben on va commencer. Est-ce que je fais le même ordre?
Vraie question, t'as, je vous laisse y répondre. Est-ce que je fais le même ordre que... qu'on avait tenté la... sur l'aventure de base, ou est-ce que je fais un autre ordre? Je sais pas. Bon, en attendant, j'ai cherché le... au moins ce donjon-là. On va voir, en attendant votre réponse. C'est pas mal, j'aime bien. Bon, ça se débloque. J'y arriverai tellement pas à suivre le rythme, je me dis. Bah. Après, enfin. Ah, pauvre fou, crois-tu que. Non, c'est la vieille. C'était quoi, c'est la voix de la vieille déjà? Bon, tant pis, elle en aura peut-être une autre. Pauvre fou, crois-tu que tu pourras changer ton destin si facilement? Si tu voyais le sac de noeuds qui est ton avenir, Hâte, c'est quoi? Vous avez appris le sort de Hâte. Il est automatiquement assigné à R et seul Octavo peut l'utiliser. Appuyer sur R permet à Octavo de se déplacer et d'agir sans les contraintes de pulsation. L'effet se dissipe après quelques pulsations. Ah, quand même! Ça peut être pratique si ça devient vite le boxon, on va dire. Tic-tic, tic-tic, tic-tic. Et... Moi, je vois un portail, je vais dedans. Hein. Ah mais non, là, on retourne chez les mongeons, là. C'est vrai qu'on l'avait pas fait sur le... sur le jeu de base d'aller chez les mongeaux. Bon, on va pas y aller non plus. On va essayer de se concentrer là-dessus. Et vu que vous avez pas répondu à ma question, eh ben tant pis, je vais faire le premier donjon comme on avait fait le premier donjon sur la partie classique. Voilà, là. Boum 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 bla boum bam boum. Problème. Je n'ai pas trouvé le... Ah, bah c'est peut-être là-dedans. Ouf. Titi. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est la même chose. Jean bonjour. Ça me tait l'aventure, non? J'ai toujours rêvé de partir à l'aventure, moi aussi. Je ne sais pas... Mais je ne sais pas tenir une épée. Enfin, il suffit que je ferme les yeux et hop, à moi les explorer la gloire. Eh oui, pardi. Et donc? Super. Pour faire la même. Ah ok. On recommence. Hein. Je m'étais déjà planté. Ah mais j'étais là quand tu l'as fait ça déjà. Ben... Attends, je fais ça et je t'explique. Mais... Bon, je t'explique. En gros, là, on a lancé le deuxième... Enfin, non, le premier DLC du jeu. En gros, je joue avec Octavo, donc l'antagoniste de Cadence of Hyrule. Et je pense qu'on va savoir ce qui s'est passé, fait comment il a fait pour enrôler les méchants avec lui et tout ça. Je pense que c'est ça. Je comprends pas comment ça marche. Mais il faut que je tape en même temps, mais... C'est particulier en fait. Allez, je le refais. Voilà. Bon, ça fonctionne. Oh mince. Enfin, merci d'avoir réveillé Tingle. Il vous doit quelque chose en retour. Bon, ben on refait la main. Parce que. Ce qui m'embête pour l'instant, c'est que ce DLC a l'air d'être la même aventure que celle qu'on a déjà faite. Sauf que je ne peux peut-être pas changer d'arme. Et pourtant, là j'ai des armes, mais est-ce que c'est juste grisé? Est-ce que je vais avoir quelque chose? Je sais pas.
Pour l'instant, c'est... C'est on tâtonne, hein. On ne sait pas trop. Toc, toc. Je suis dans la cacade, comme on dit. Non, c'est pas là. C'est pas là. Donc j'imagine que c'est là-bas. Ok. Oh, les fantômes avec le lutte, c'est pas ouf à faire. Et mince, je suis mort. Oh non, c'est bon. Alors. Il y a un truc à ouvrir là. Et je me suis pris la bombe, sinon c'est pas rigolo. Oh non, toutes les pestes. Ah, en fait, c'est facile. Juste à me mettre devant elle, et boum. Ok. Donc en fait, pour certains trucs, Octavo est dur, et pour d'autres, bah, il est beaucoup plus simple à jouer que... Mince. Ouais. J'ai juste parfois marché sur les choses et ça fonctionne. Wah 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 wah. Wah 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 wah. Bon, ça c'est fait. C'est fantôme. Ok, un petit cœur. Alors, c'est par où? Non, c'est vers le haut. Non, c'est pas vers le haut. Est-ce que c'est encore là? Non. C'est vers le bas? Ah ouais. Donc c'est vraiment aléatoire, ça, parce que je me rappelle pas être parti vers le bas. Aïe. Pas évident à jouer quand même, le petit. Et là, je fais comment? Au secours. On va creuser pour lui. Hop. Oh non. Ouf. Ça c'est fait. Oh, pas ça, mais ça explose. Comment tu veux que je le tape à distance? J'ai pas de truc à distance avec mon perso. Et lui? Comment je vais faire le boss là sans. Ok, c'est dur. Ben ouais, mais je fais comment? Ne serait-ce que de l'approcher, je prends trop cher. Oh, un cœur, c'est bien. On aime bien les cœurs. Une grosse torche. Renvoie un coup, c'est bien, hein, mais... Comment je suis censé faire? C'est le problème. Oh, faut redémarrer tous les bois, c'est vrai. Bon, on va d'abord passer les bois et après on fera... Bon, je sais pas. J'ai déjà perdu mon anneau qui renvoie un coup. Je me sens bien, tout va bien. À l'aide. Ok, c'est vers le haut. Oh là là! Mais quelle catastrophe! C'est dur, c'est difficile, d'accord? Ne me jugez pas. Ok. Là, on ira aller. On s'en fiche, oui. C'est pas là. C'est pas là. C'est encore vers le bas? Ok. Ouais, c'était un peu la panique. Ah, les loups avec Storm, c'est un enfer, hein, par contre. Bon. On
recommence. Je veux savoir comment on peut tuer un Little Rock. Avec Octavo. Parce que tout à l'heure, j'ai pu faire des trucs dessus. Mais là, je peux pas. Donc, première chose. Je comprends pas. Mais... Bon, ok, il est mort. Ah! La baguette de glace. Donc, par contre, je drop mes objets... random sur les mini-boss, comme ça? Je comprends pas tout. Au secours! Et apparemment, il reste un monstre, mais il est où? Bah toi, tu vas exploser, toi. Oh! Au revoir! Goodbye! Il est censé avoir un monstre, mais il est où? Ah si, la musique là, elle a changé là. Oulala, je comprends pas tout moi. Super, tout le monde est esquivé mon sort. Je suis super content. Ils ont vu mon sort de glace, ils ont fait non, désolé, on veut pas. Garde-le. Ah, petit cœur. Bon. C'est pas par là. Non, je pense pas que ce soit là. C'est par là. Oh punaise! Mais! Ça se trouve, ouais, c'est juste le jeu de base en plus compliqué. Ben. J'ai envie de dire, il est plus compliqué et pas encore parce que c'était comme le début quand j'avais commencé l'aventure, je suis mort assez vite, on va dire, et assez souvent. Mais dès que j'ai un peu de vie, ça peut passer. C'est juste qu'il faut que je fasse super attention à ce que je fais, hein. Je pense. Mais j'ai ma baguette de glace et tout le monde pourra l'esquiver, donc ça, on est content. Genre, meilleur item. La baguette de glace. Allez, on se dépêche. Je vais essayer d'aller vite. Pouf, pouf. Allez, ça c'est fait. On avait dit que c'était là. Oui. Et après, c'est en bas. Ok, alors là, oui, c'est ça. En fait, je fais juste ça pour faire durer la VOD. C'est pour vous embêter que je fais tout ça, en fait. Pas du tout, je suis juste mauvais. Bon, celui-là, il faut pas s'arrêter. En fait, avec Storm, faut maîtriser ton carré. Faut maîtriser le carré qu'il y a autour de toi. Si t'arrives pas à maîtriser ce qu'il y a autour de toi, ben tu es dans la panade, pour pas dire autre chose. C'est par là. Ok. Ah, super, Linel. Laisse-moi aller sauvegarder, Linel. Merci. Non, pas la poule. Ah, mais la poule, je vais toutes les taper sans faire exprès, en fait. Vu que je tape tout autour de moi. Je maîtrise mon carré. Non, je suis obligé de les avoir. Oh non. Je peux me suicider, s'il vous plaît. Oh mais... Non, c'est l'enfer. Ces bots, c'est vraiment l'enfer. Je peux même pas rentrer dans le donjon. Ces bottes! Ah, c'est bon! Ah, punaise! Non! Ah, mais non, mais.
Mais il y avait un monstre. Mais c'était une poule. Oh, mais c'est pas possible. Non, mais lâchez-moi ces bottes, là. C'est... Ah, oh, je pourrais me faire comme il faut. Au secours. Ah, on avait dit que mettre une bombe, ça passait, c'est ça? Oui. Qu'on s'était embêté à faire tout le tour pour rien. Je dois maîtriser mon carré et mes bottes. Oh là là. Non, je peux pas les déséquiper. Attends, je vais vérifier. Avant de chouiner. Non, je peux pas les déséquiper. Ah, mais c'est trop l'enfer. Mais regarde, c'est dur. C'est dur, c'est une bonne surprise que le combattant de Roman est surpris. Force de main, il est vite. Le sanctuaire s'active jusqu'à ce que tu sors du donjon, que tu vas comme un boss, que tu t'en prends. Oh, au secours. Mais la musique de ce donjon est folle. Je maîtrise pas du tout mon carré. C'est la meilleure phrase du monde, sans déconner. Faut maîtriser ton carré. Ouf. Bon, il était à moitié maîtrisé. Ça y est, je suis contente. Je maîtrise pas mon carré. C'est quoi là notre courage? Mais j'arrive pas à lire parce que... Ces bottes de l'enfer, quoi! Vous permet de foncer sur la case de l'ennemi lorsque vous le vainquez sans subir de. Sans subir, oula, sans humir de dégâts. Je suis bloqué. Je. Ah! Super, tout ça pour avoir un coffre qui me déteste. Et j'ai du poison et. Ses chaussures. La 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 la. Sanctuaire de Death. Je sais même pas ce que ça fait. Ça va me tuer en un coup. C'est. Ah, oh, si seulement ça pouvait m'enlever les chaussures. Ah, j'ai pu prendre le cœur. Non, mais prendre les cœurs, c'est moche. Voilà, dans le poison là. Impeccable. Je vais enfin enlever ses chaussures. Ah non, mais les chaussures de la mort, là, c'est mort. Allez, hop. On y retourne. Bon, j'y retourne. Faut pas que j'oublie que j'ai... Ah. Enfin, on peut se déplacer comme il faut, parce que là, sans déconner. Allez, on reprend. Comme ça... Je maîtrise mon carré, dit-il en perdant deux cœurs. Un cœur, pardon. Oh là là, mais ce... Meilleur instrument du monde, l'automatoné, c'est... Celui qui veut me prouver le contraire, et il va jamais y arriver. Mais... Je comprends pas les arbres, faut qu'ils sortent de leur endroit pour que je puisse les toucher? Peut-être. Allez. Bon, les boss, j'allais dire que ça se passe plutôt bien jusqu'à ce que je prenne un coup, quoi. Je maîtrise mon carré... Et mon poison. Je maîtrise mon carré, oui, le carré, c'est bon. Impeccable, ça, mince. Bon, j'ai la sortie, mais on va quand même explorer. À quoi ça sert de jouer à un jeu si on n'explore pas un peu? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, mince. C'est quoi ce sanctuaire? Sanctuaire de corail. Oh, il y a un cœur. J'ai passé de rubis parce que je suis mort. Je me sens pas bien là. Bon. Ah oui, c'est maîtrise le carré, c'est. C'est le maître mot de ce stream. Je pense que. Si j'en fais un deuxième sur Octavo, le titre, ça sera la maîtrise du carré, et pas la maîtrise du pouvoir. Ni la Triforce, tu vois. La Triforce, c'est un triangle. Que nenni ! Octavo, c'est le carré ! C'est le carré, le carré, et j'ai mal. C'est bon. Mais comment je peux l'avoir, ça ? Ah, je crois que je peux faire péter les murs, en fait. Attends, je fais un test. Tu peux retourner acheter le cœur, du coup, si j'ai assez d'argent, oui, mais... Là, en l'occurrence, c'est non.
Attends, les murs donnent de l'argent? Je vais pouvoir avoir mon... Je veux mon cœur. C'est bon, j'ai cassé le jeu. Bon, ça m'a coûté de bombes, mais au moins, j'ai mon cœur. Ouh, il reste des ennemis quelque part. Et puis, il y a ce coffre-là que je peux pas avoir. Parce que je peux pas voler, je peux pas... Ouais, c'était 75, donc j'étais bien là. Allez, on continue. Poil à poil, le carré, oui, le carré. Ah. Ah, faites votre choix. La canne, la masse des titans et l'arc. Bah, désolé, je prends la canne, tout simplement. Parce que grâce à elle, je vais pouvoir créer des murs. Et donc aller chercher le coffre qu'il y a juste en dessous. C'est juste parce que je la trouvais utile, hein. S'il faut, l'arc va m'être utile pour le boss, mais tant pis. Surtout si c'est les maracas, c'est que c'est le même. Hein. Ouais, tout ça pour une boussole. J'ai mal. Bon, on s'en va. Je suis dégoûté. Ça pour la boussole. Bon, j'aurais dû m'en douter, cela dit, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Tic, 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 tic. Oh, ouh, petit argent, là. Et on continue. Ah. La maîtrise du carré. Oh là là, quelle maîtrise. Et il m'a pété à la tronche. Et lui aussi. Yes, je me sens bien. Mais j'ai récupéré mes cœurs. Je ne sais pas comment. Mais... La maîtrise du carré, la maîtrise du carré. Je maîtrise pas du tout le carré là. Je fais n'importe quoi. Carte, la boussole, il me manque la grande clé, et la maîtrise du carré. T'es content, à vous, j'ai pas suivi de quoi, d'avoir la maîtrise du carré, ou... Oh, secours, il me suit. Mais... Ok, je peux juste lui marcher dessus, ça lui fait tout péter. Pour la boussole, mais grave. Grosse boussole. Regarde, elle me montre la sortie avec la flèche bleue. La boussole. Comme quoi, c'est pas inutile, hein. Ah. Mais attends, mais... Ah, j'avais pas vu que la porte du marchand était là-bas. J'y vais. En plus, il chante, là. Il vit le meilleur de toute sa vie. Écoutez ça, quoi. Il est trop fort. Ça coûte cher pour ce que c'est, monsieur, hein. C'est parce que je suis méchant, c'est ça? Tout est plus difficile? Aïe aïe aïe. Un arc aurait été peut-être plus intéressant. Ça, je te le fais pas dire. Tu crois que si je finis tout Octavo, je débloque un titre? Genre dans ma vie, qui s'affiche au-dessus de ma tête, qui sera une maîtrise le carré? Ah, c'est de la grande eau, génial. Attends! Je peux pas monter dessus, j'avais oublié. Dommage. J'avais une idée là. Mais j'ai pas la baguette de feu. Pas encore, du moins. Aïe, aïe, aïe. Maîtrise du carré, maîtrise du carré. J'ai plus de torche. C'est une torche en cristal? Tant pis pour moi. C'est quoi? Oh non, c'est Link. C'est pas grave, je maîtrise mon carré, Link. Et toi, tu peux maîtriser ton carré, Link? Bah non, t'es allé sur le point d'interrogation, tu sais même pas sur qui il faut taper. Il me fait peur, en vrai. J'utilise l'hâte! Ya, 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 ya! C'est bon. Ah, c'est bon, je reviens sur les pulsations. Oh, la maîtrise du carré, eh hey. Elle était forte, là, la maîtrise du carré. là, elle va pas du tout être forte. Ah, si, c'est bon. Non. Je sais pas comment tuer les... Ouais, j'ai un problème, par contre, avec Octavo. Je ne sais pas comment... tuer les ennemis qui
font une attaque carrée autour d'eux, parce que ça empiète sur mon carré, je veux pas qu'ils empiètent sur mon carré, c'est mon carré, attends. Merde, mon carré. Je l'aime, mon carré, il est trop fort. Meilleur carré du monde, arrêtez. C'est mon carré. Bon, au moins je vais pouvoir aller au premier boss. Je vais me faire éclater la tronche, mais c'est pas grave, au moins je peux le faire. Bon, et comment ça se passe? Est-ce que c'est exactement le même? Un être du musique, je sens qu'une grande puissance en émane, fascinant. Je vais me servir de la magie de mon lutte pour en faire une puissante créature. Un virtuose capable de vaincre Ganon. Que le pouvoir de la terre anime mes maracas de vibrations sismiques. Ok. Et donc il va falloir que je tue ma créature, c'est ça. Pour dire, hé, t'es pas gentil, je t'ai donné la vie. C'est ça. Allez, c'est parti. La maîtrise du carré. Oh, le carré était puissant, là. Pouf. Je suis allé dedans, parce que je suis un peu bête, après... Non ! Le carré. Ouais, là, l'arc, ça aurait été pas mal, j'avoue. Non, je suis mort. Oh ! Ok. Là, par contre, s'il s'énerve, et là, c'est le méga carré. Et voilà. C'était grosse maîtrise du carré, là. En même temps, j'avais pas de vie, qu'est-ce que je fasse ? Vision basée sur le multiplicateur, des bombes... Renvoie un coup. Oui, c'est bien. Allez, hop. L'appel, c'est pas ce qui urge. Bon, Gomaraka, je vais te montrer mon carré. Ça va être compliqué. Déjà qu'il était pénible avec Zelda, lui. Après, je lui montre bien mon carré, donc. Carré. Et là. Oh là là, mon carré est si fabuleux. Carré. Ah, j'ai pris un coup apparemment. Ça a utilisé mon anneau. Non. Oh là là, le carré. Hey. Est-ce que vous voyez ma vie là-haut? Elle a pas bougé. J'ai parlé trop vite. Et allez! Le carré était trop fort. Ben dis donc, c'est allé plus vite qu'avec Zelda, hein. Taisez-vous, les rageux. De toute façon, je vous aime pas. Faut être courageux sur moi. C'est pas vrai. Je suis Octavo. Ok, très bien, allez, go. Les maracas. Les maracas. Jake, si tu m'entends, titre de la VOD, soit la maîtrise du carré, soit elles sont cuitasses, les maracas. Maria maîtrise aussi son carré. Eh oui. Elle le maîtrise tellement que c'est devenu son nom. Ah, j'aime l'humour. Oh, là, par contre, quand je prends le poison avec Octavo... Allez, hop. Tout ça pour des bombes? Bon, écoute. Au moins, première VOD. Ça, c'est fait. Oh là là. Ah là, vous avez ragé sec, là. Là, vous avez ragé sec parce que c'était vraiment la grosse maîtrise du carré. Bon, on va vers où? Parce qu'avec toutes mes bêtises, je sais pas trop où aller, hein, cela dit. Mais je voulais aller vers le bas. Laissez-moi partir. Je suis vraiment perdu dans les bois perdus. Ah, c'est bon. Ah, j'ai pas maîtrisé... Oh là, je maîtrise rien. Oh, je maîtrise que... Ah, non. Voilà, ça m'apprendra à être sassy. J'ai rien maîtrisé. Tiens. Tiens. Oh, beaucoup de rubis. J'aime. Ruby. For vigor. Je crois que c'est ça qu'il dit, Tariq. Le rubis pour la vigueur. Je sais plus. Bon, c'est pas grave.